Je m'appelle Dambélé Mariam, alias Yasmine, et je suis apprentie de Baka, précisément sur la ligne d'Abobozo. C'est ça, pour faute des moyens financiers. Mon père, il est décédé et il a su là quand j'avais 2 ans. Ma mère, elle est ménagère qui arrivait à me scolariser. Et à un moment, l'école devient de plus en plus chère. Elle n'arrivait pas à payer les scolarités. Et moi, je me dévouais pour pouvoir payer ma scolarité. Le métier n'est pas du tout facile parce que tu es dans un milieu où c'est les hommes qui font ce métier. C'est rare que nous voyons les filles exercer ce métier. Pas facile. Qu'il en t'insulte, te dit n'importe quoi. C'est le cas, tu ne laisses pas. Je descends, je monte. Souvent, le véhicule même démarre pour me laisser. Je m'accroche derrière. Pour savoir. Au fait, je n'ai pas abandonné mes études pour ce métier. Je partais à l'école. Les jours où je n'avais pas cours, je partais au travail, samedi et dimanche. Maintenant, les congés qu'on nous donnait, exemple, congé de Pâques, Noël. Je partais travailler tous les jours, puisque je n'avais pas cours. Souvenir, c'est qu'il y a une cliente qui est montée dans mon véhicule à propos de mon air. On a eu à se discuter, elle a déchiré mon habit. Je me suis énervée, je l'ai porté, mais après moi j'ai regretté. Je suis revenue à la maison. Elle dit à mon chemin, il n'a qu'à chercher quelqu'un de lui, il ne peut plus travailler. Il y a des moments qui sont durs. Mon cœur même là, il y a un tel problème là, je préfère rester à la maison. Pour ne pas avoir à discuter avec les clients, je reste à la maison, je me repose. Après, je vais à la gare, je vais avec mes amis. Mon chauffeur, il est comme mon papa. Lui, c'est comme une famille. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fini leurs études, qui sont même à la gare là-bas, qui font en pratique Baka à cause de quoi? Parce que de nos jours, aujourd'hui, quand tu veux exercer par exemple un concours, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un soutien moral. Si tu n'en as pas, ça ne peut pas y aller. C'est comme l'école que tu as fait était zéro. Attends, un chien là, un chien qui me fait. Mon avenir, j'ai décidé de choisir comme métier de rentrer dans l'armée ivoirienne. J'attends qu'on lance les concours, je pars exercer mon concours.